Hello les gens, bienvenue sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tissantra.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Ni No Kuni 2, donc sur PC. Ça fait presque un mois qu'on n'y a pas joué. Non, ça fait plus d'un mois qu'on n'y a pas joué en fait. Mon dieu, quelle horreur. Et donc on est sur Ni No Kuni 2 The Revenant Kingdom, un jeu qui m'a été offert par Christ. Le jeu, il est bien, il est beau, mais il est chiant. Il est trop long. Comme tout bon RPG qui se respecte, hein, mais là c'est vraiment long. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Qu'il est long, le jeu. K-I-L-E, accent aigu, L-O-N-G, voilà, qu'il est long. Les EPV de votre équipe, voulez-vous savoir les... Non, on s'en fout, on se casse. Oh oui, Maurice. Alors Maurice écrit M-O, accent circonflexe, R-I-C-E. Voilà. Voilà, sachez-le. C'est pas le Maurice de tous les Maurice. Ah c'est bon, c'est juste que c'était très lent. Ah. Oh mais toi je m'en fous, allez hop, dégage. Voilà, me disent qu'il y a des jeux, il y a des comment on appelle ça, des choses qui se sont terminées en termes de recherche. Où ça? Dans le royaume. Bienvenue royaume à toi. Oui, toi. Merci beaucoup, Nico-kun. Nico-kun. Pardon. Nico-kun. Merci beaucoup pour le resub. Ça fait plaisir. Comment ça va? T'es peut-être dans le coin. Peut-être que c'est automatique ou t'es dans le coin, je sais pas. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci du soutien. La RNG des loups, non mais faut les créer. Faut créer les armes avec le royaume en fait. Ils m'ont dit qu'il y avait des recherches qui étaient terminées, elles sont où? Ah d'accord, qu'il n'y a aucune recherche qui a terminé là. Ou alors je suis... Ah peut-être là-haut. Peut-être là-haut, mais oui, il est là-haut. Niveau 3, vas-y. Waouh. Ah, il me manque des gens. Il faut combien? 235, je suis à 217. Vous pouvez pas monter de niveau, s'il vous plaît? S'il vous plaît, montez de niveau. Maurice, ouais, comme ça. Bah je vais bien, écoute. Grand merci pour ton cadeau. Avec plaisir. T'auras droit à une carte postale à télécharger. C'est bizarre comme ça. Oh, il faut 200 000 de pognon, les gens. Ensuite... Est-ce que je peux créer des choses intéressantes par là? Quelques armes qui sont plus solides que les autres, mais... C'est pas encore ça, hein. On avait 60 000 pour améliorer ça. Et là, 60 000 aussi. Donc si j'ai 120 000, ça passera bien. Comme ça, je pourrais faire des recherches. Armurerie moins onéreuse. En fait, j'ai plus intérêt à faire des recherches dedans qu'autre chose. On va aller voir. C'est vrai? Ah, mais on est beaucoup plus loin que la ville avec le dragon, là. Hmm.
chiant mais go. D'accord. Oh, mais après tu peux les crafter de base et les améliorer dans le donjon. Il est où mon machin qui décolle et qui Ah non mais c'est vrai que je peux le faire venir quand je veux. On a dit que ces bestioles étaient trop solides pour nous. Celle-ci aussi. Ce que je vois bien, c'est d'affronter. Ah, là où je suis stressé d'aller voir les bestioles. Faut voir à quel niveau elles sont. Articule, bonhomme, articule. Là, il y a des batailles. Je les ai pas fait les batailles non plus, mais ça m'embête de les faire. Peut-être que je pourrais essayer d'affronter la bestiole qui est là-haut. Là, il y en a aussi d'autres. Les touches petit à petit. Là, il y a un truc immense par là. Là, ici, il y a un truc de folie. Il y a un vieux vaisseau qui s'est crashé, je trouve ça trop cool. On n'y est pas encore allé. Et Olic qui nous réabandonne, c'est ça? Ah non, c'est Belagas. Je lui avais à peine de revenir, elle nous abandonne déjà, quoi. Même pas sympa. Qui brille par là, j'ai pas rêvé, hein. Ah, mais c'est un truc à démonter. Ok, donc passons par là. De quelle puissance cet ennemi? Est-ce que je peux le démonter ou pas? Sauvegarder, s'il te plaît, merci. C'est au cas où. Hein. Bonne nuit, Belagaz, du coup, merci de passer. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, bisous. Eh, bonjour. Elle est quand même niveau 57, hein. Viens, on se casse. Non, c'est pas vers le nord qu'il faut que j'aille, c'est vers le sud. Par là. Là, il me semble qu'ici aussi, il y en avait. Dans le coin. Oh, attendez, allez. Je l'ai vu, là. Je t'ai vu, toi. Viens là, tu seras mon nouveau copain. Ah mais c'est méca greffe maudite. Je me disais aussi maintenant dégâts reçus plus. Mais c'est ridicule. À quoi ça sert? Jusqu'au bout tu pourras plus me voir. Comment ça je pourrais plus te voir? Souliers, résistance à l'ombre. Résistance à l'eau. Le truc, je sais pas trop ce que je fais. Sauf qu'elle a pas de lance, ça sert à rien. Thank you.
Enfin, jamais l'arme dans le bouclier, je pense. C'est peut-être pas mal. Hume son thé à la menthe. Bah, un thé à la menthe. Mais qui a inventé ça? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le thé à la menthe? Toi, t'es niveau combien, l'horreur? Toujours sauvegarder au cas où avant? Non, pas ça. C'est start puis Y. J'ai envie de gâteau. J'ai envie de gâteau. Ça c'est fait, c'est bon. Allez, on y va. On coupe. Bonjour. Non. À mon avis, ça sert à rien qu'en fait que je reste ici. C'est une zone qui est trop forte pour moi, ça. Donc on dit qu'il y avait quoi d'autre sinon? Parce qu'il y en a un autre là-bas de l'autre côté, mais ça m'étonnerait que ça serve à quelque chose d'y aller. Là, cela, on peut quand même retourner voir là-bas si je peux les affronter ou pas maintenant. Là, il y en a un là-haut, mais je crois qu'il est trop puissant aussi. Le truc, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué au jeu que... Je fais un peu n'importe quoi, je prends tellement de passion. Donc, il y a tout qui a pété là-dedans. J'ai envie de gâteau. Sûrement un anglais. C'est bizarre ces anglais, ouais. Je crois que là, je peux faire un truc. Je veux bien faire la même chose avec mon corps, s'il te plaît. Quoique non, ça m'embêterait. Docteur Who, Queen et la marmelade de l'orange. Bon, d'accord, ils sont très bons, ces anglais. Faut pas chercher, hein. On les aime. Très fort. Autant que le gâteau que j'ai envie de bouffer. Alors, est-ce qu'ils sont violents ou pas pour moi? Niveau 39. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils m'attaquent. Ouais, tu vois, ils s'en foutent. Une assiette de crème fouettée. On les respecte. J'aime bien. On les respecte. C'est-à-dire qu'on les aime pas, mais on les respecte. Ouais, j'aime bien regarder du jeu de Doctor Who. Ça m'a jamais tenté plus que ça. Ah non, c'est un hamster. Je suis bête. J'essaie de comprendre ce que c'était que ce truc. Encore un fantôme et j'ai pas la compétence pour leur parler, je crois. Hé hey. Ah si, c'est bon. En gros, t'as un fantôme qui sert à rien. D'accord, ok. Ok. J'aime pas les pims. Toi là, t'es niveau combien? 38, vas-y, je te démonte. J'arrive à trouver les touches. Là, je fais absolument n'importe quoi. Vous l'aurez compris. Est-ce que j'ai des choses pour rester... Ah. Ah. Ah.
J'avais pas dit on le démonte. Oh, c'est bon, c'est ça pour vous. C'est juste parce que je sais plus les touches. Pardon. Pardonnez-moi. T'es nul! Fallait que je retrouve les touches, c'est pour ça. Oups, j'ai pu tomber à les mains. Vers la loose et au-delà. Il me faut les gâteaux, c'est ça qui me manque en fait à ma vie. Voilà, gâteau, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sauves la mise, il faut que tu me sauves ma vie. Donc donne-moi des petits morceaux, s'il te plaît. Alors celui-là, parce que ça a commencé à être asséché. Voilà. Toc, toc, et on y retourne. Il me semblait qu'il y avait un moyen d'esquiver. Non ? Comment on fait pour esquiver déjà ? Est-ce qu'il y avait au moins moyen d'esquiver quelque part? Je sais plus. Oh non, mais non! C'est les frappera. Vers la loose et au-delà. On va se mettre d'accord tout de suite, hein. Je vous apprends à être nul. C'est pour vous, c'est pour votre bien. Salut Anthony. Ça va bien et toi? Merci de t'en inquiéter. Allons. Il m'a fait la confusion, la saleté. Ah mais c'est vrai qu'il fait ça. On va tous crever, c'est vraiment pas gagné. C'est le temps que je reprenne la main, vous aurez compris. C'est le temps que je reprenne la main. Si, c'est vrai, c'est le temps que je reprenne la main. Je suis pas nul, hein, c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué au jeu que je suis pas doué. Laissez-moi couper mes gâteaux, mais pas de gâteaux en paix. Hein? Je suis mauvais, mais je le vaux bien. Non mais oh. Bah, tu fais plaisir, merci. Le nom du jeu, c'est Ni no Kuni 2.
faut que je le raffronte. Mais je sais que j'aime pas les blobs. Justement, parce qu'ils ont une très bonne astance. Une... Ico. Le problème, c'est que c'est bien beau de dire pouvoir distance, le seul problème, c'est que pour pouvoir faire des pouvoirs, il faut attaquer au corps à corps. Oh bah, je suis remort. Sérieux? Sérieux? Je mets pas le Kishman, hein, vous en avez marre. Ouais, d'accord. Je suis encore sur DMC. Sérieux, ils font chier, quoi. Ah bah ouais. Merci Twitch qui enregistre pas quand on fait les changements. Désespérant. Reprendrez-vous un peu de sel avec votre sel, monsieur? Vite si possible, c'est ça. Un mois. Un mois que je n'avais plus touché au jeu. On y a joué 40 heures et j'y ai pas touché pendant un mois. Mais sérieux ? Sinon, ce monstre va être très désagréable. Il n'y a pas d'esquive, elle est où l'esquive? C'est ça moi que j'aimerais bien voir. Ah, ah ça y est, j'ai trouvé. Ah ça y est, c'est la gâchette. C'est bon. C'est bon. On n'est pas sauvé parce que je vais remourir une nouvelle fois, mais enfin, je tape parce que là... Ah, c'est meilleur. Encore? Tu vas peut-être te protéger, ouais, saleté. Voilà, maintenant que je vais pouvoir esquiver, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, c'est bon. Pas le temps d'esquiver. T'adores Inokuni, c'est vrai? Ouais. Comme je dis, il est pas mauvais. Hein. C'est ce que je trouve chiant sur la longueur. Beaucoup trop long pour rien. En fait, beaucoup trop long pour oublier. Comme obligation, c'est-à-dire que je fais pas trop avancer la quête principale, je fais pas les quêtes annexes. Donc, c'est l'impression que ça va en tout cas. Aïe. Vas-y, une médipère là. On devrait mieux se sortir. Enfin, il faut les redevenir solides. Alors le problème de redevenir solide comme ça, c'est qu'on peut pas lui faire de dégâts normalement. Ils font mal les violets quand même. Allez,
Normalement, ça va la sonner. C'est ça. On s'éloigne. Le truc, c'est qu'il va se séparer dans peu de temps. Un petit peu de vie. Ah, il a eu l'autre. Mais ça, à ce moment, l'intelligence artificielle dans le jeu aussi, c'est une quiche, mais terrible. Voilà, ils se séparent. Donc, ils vont pouvoir être deux à me tirer dessus, c'est magnifique. On sent que lancer l'attaque, c'est de l'arnaque, ça, madame. L'arnaque! La vie. Vas-y, donne-moi ça. Pourquoi j'ai récupéré toute ma vie? Ah mais ils sont encore décuplés, la saleté, ça se fait pas monsieur, sachez-le, ça se fait pas du tout, c'est pas bien. Tout ce que je me suis pris dans la figure. Bonne nuit monsieur Tartine. Faites beau rêve, prends soin de toi, merci beaucoup d'être passé encore une fois, à la prochaine, ciao, bisous. Vers la Louse et au-delà. Bah c'est juste temps de reprendre les touches vu qu'on a joué à des jeux différents en fait. Hein. Allez hop, chargé. T'as été nul Iti, mais tu peux te rattraper. Tu peux faire mieux que ça. Moi j'y crois très fort. J'essaie de me convaincre, hein, chut. Mais non, mais c'est chiant que ça mette 50 ans là pour faire l'action. Il met tellement longtemps à faire une pauvre petite action de. Parce qu'en fait, il y a une animation quand il est quand on valide les attaques comme ça avec les bestioles. Et bien sûr, le temps qu'il les valide. Ah, mais ah d'accord, ils sont barrés. Ça a même pas activé le truc de soin parce que je me suis pris un machin. Oh, bah d'accord. Ah, bah d'accord. C'est beau ça. C'est beau, bravo, félicitations. Oh oui, ça. Vas-y, fais leur dégâts. Plein de dégâts. Je veux plein de dégâts. Voilà. Ah, ils ont eu la miss. Ils ont eu la miss pile au moment où j'allais leur donner du soin. Zut. Oh attends. Non, meurs pas ici. Arrête, il les a eus. Mais non, je t'entraîne pas une belle attaque là. Quand il fallait que ça tourne si mal. Non, pas 3. Ok, bah bonne nuit là. Anthony fait de beau rêve, prends soin de toi. Merci beaucoup et passez à la prochaine. Ciao, bisous. Bah alors, tu t'arrêtes tôt aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2h37, serais-tu malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Coucou à vous, cher viewer de Linz! Ah non, mais c'est la règle. J'avais oublié la règle.
La règle des 40. La règle des 40. Quelle idée ! Quelle idée ! Non, c'est pas 39. Attendez. Vous en avoir en rab. C'est hop, 390. 4. Banana ! Bonjour, maîtresse. Que puis-je pour vous ? Oui, parce que quelqu'un a fait de moi son esclave. Je sais pas quoi faire, du coup. Sauvez-moi. Vous obtenez une hache maudite. Ah bah, j'espère bien. Voilà. On l'a eu enfin. C'était long. Toi, t'as besoin de quoi ? Non, non. Normalement, c'est écrit en gros dessus qui aurait été apporté par les dieux, mais ça marche pas. Tu peux commencer par me donner à manger. Fais ah, cadeau. C'est un morceau de gâteau. Gâteau ? Pardon. Pardon, ma pote. Mea culpa. Bon, cette fois-ci, ça devrait marcher. Voilà. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Comment ça s'est passé ? Je vous ai abandonné en plein live sur Raft. Parce que j'ai voulu faire la mise à jour de mon PC, ça a duré plus d'une demi-heure. Et après, je suis parti directement en stream. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous ai vu sur votre île, et puis après, plus rien. Je crois que c'était sur l'île au moment où j'ai redémarré. Je sais plus. Donc, je sais pas si j'ai pas de l'eau mystique pour lui, là. Apporté par les dieux. Eau pure et transparente, comprenant un peu d'énergie spirituelle. Eau pure provenant d'une fontaine sacrée, cachée dans la forêt isolée de la civilisation. Eau mystique irrécupérable sur des fleurs dont la floraison ne dure qu'une journée. Eau imprégnée de la rare vitalité se trouvant dans les déserts les plus secs. Eau mystique bouillant sans cesse de l'image du magma. Eau mystique si froide qu'elle peut geler tout ce qui entre en contact avec elle. Et eau à énergie vie infernale qui proviendrait de l'entre-deux mondes. Je pense que je l'ai pas. Zut. Faut s'en souvenir qu'il y a tous ces machins, c'est chiant. On est resté sur Raft et ça avance bien, d'accord. Du coup, j'ai pas vu. J'ai pas vu. À part que ça critique les enfants dans les magasins de jouets. Hein ? C'est pas bien. Sauf que tu t'arrêtes trop tôt. C'est triste. Comment qu'ils font les gens qui voulaient continuer à te suivre, hein ? Comment ? Tu les abandonnes, enfin presque. Les pauvres. Je peux pas aller plus vite. Ah ! La bestiole, niveau combien la bestiole ? Il y a un gros machin rouge en plein milieu, donc je sais pas de quelle puissance il est, ce truc-là. J'ai peur de mourir. Ton serrurier. J'ai raté un épisode. Je sais pas ce que c'est que ce monstre. Le truc, c'est que je vois qu'il y a un gros machin rouge dessus. Et je me dis surtout que j'ai pas sauvegardé. Donc on va se barrer. Pas trop mal aussi. Non mais t'as raison. Il faudrait se permettre de se poser, faire autre chose. Dormir. Encore et encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Il y avait donc dans cette zone-ci un fantôme qui n'avait rien à me dire. Je suis déçu. Toc, vous avez reçu un piment brûlant. Un méditrèfle doré. Ouais, comme ça, si je me fais encore poutrer par un ennemi, eh ben, je pourrais récupérer de la vie avant de mourir. Je dis bien avant de mourir, parce que j'aurais récupéré de la vie pour rien, on le sait. Vous le savez. Quand on est mauvais, on est mauvais. C'est tout.
Alors là-bas, j'étais en train de venir par ici. J'ai fait les corps, c'est bon. Je voulais voir les espèces de monstres qu'il y avait par là. Y a rien, annule. Et là? Genre toi, t'es niveau combien là? Veuillez patienter. Jusqu'à la récompense de véhicule, merci. Et là, un sortiment de coquillages. Là, y'a rien. Toi, t'es qui? Oh, niveau 29, vas-y, on démonte. Je dis ça la dernière fois que le monstre est niveau 38. Yudan hein. Bon, on va le démonter, c'est bon. On va le démonter, vas-y, viens. Viens, chéri. Yep, niveau plus. Ça devient bizarre d'un coup. Un pistolet biscotto, vous donnez un collier anti-vent et vous obtenez... C'est tout? Donne-moi le reste du pognon, saleté. J'ai pas la référence. Allez, on est aéronef. Ça y a du pognon. Il y a du pognon par là. Récupérons un maximum de choses tant qu'on le peut. Avant de mourir bêtement. Une capillerie des pistes, ok. Poisson commun. Je sais pas à quel niveau ils sont ceux-là, à côté. Donc je vous préviens, le jeu on l'appelait qu'il est long parce que c'est long. Vous l'aurez compris. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. Y a rien par là? Si, y a un coffre, y a un coffre, y a un coffre, viens là le coffre. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Mais du coup, maintenant que j'y pense, Lins, quelqu'un t'a offert un abonnement ici. Donc ça veut dire que tu serais mon esclave aussi? Pardon. Sauvegarder. Il est spécial. Bon, en fait, faut pas juger là-dessus. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que le level up est obligatoire dans le jeu. Et c'est ça un peu le côté embêtant de l'histoire. Le fait que le genre de choses qui me pousse à râler, en fait, sur ce jeu-là. Parce que là, on pourra avancer dans l'histoire tout simplement et juste se faire plaisir. Le seul problème, c'est que, bah voilà, si je me contente de simplement avancer dans l'histoire, je vais forcément galérer puisque faire du level up. Donc c'est pour ça on passe de zone en zone, on combat des monstres, on regarde ce qui se passe, en espérant que les choses iront de mieux en mieux, qu'on pourra avancer tranquillement ensuite. Sauf que ben, voilà quoi, c'est pas très pratique quand même. On a vu mieux. 43. Bouge pas. Ah trop tard. Je t'avais dit de pas bouger. Ico. Heureusement qu'ils sont pas très solides ceux-là. Et voilà. Mais le décor est joli quand on est dans ce genre de vue là comme ça, j'aime beaucoup. On est en normal, je crois. Je sais plus. Normal ou difficile? Est-ce qu'on peut le voir quelque part dans les options ça? Options. Ah non, non, difficile. Non, difficile. Quelle idée aussi. Pourquoi je me suis mis en difficile?
Et qu'il n'aime pas changer la difficulté une fois qu'on est arrivé là. Alors, ce monstre dégage une aura qui fera dans le dos. T'es niveau combien? 40? Oh ouais, vas-y, on te poutre. Je suis pas sûr, la fois on se fait buter contre un monstre, c'est niveau 38. Il met tellement longtemps à lancer les... C'est pas une bonne attaque de faire certaines choses, hein. Voilà. Oh, là, bah, ils se font 10, ça va être tellement chiant. Mais je venais de récupérer de la vie. Vous avez vu comment ils sont méchants, les boss, avec moi? Même pas le temps de me relever qui m'en met déjà une deuxième couche quoi. On aura compris qu'ils sont méchants. Vraiment, les poutres me prennent trop longtemps à être activés. Vous vendez quasiment rien en vie, vous. C'est peut-être mieux si c'est le niveau. Un petit peu. Attendez, les gars, toc. Les gars, les filles, comme vous voulez. C'est lent pour monter de niveau aussi. Bonjour, c'est le mec qui fait que se plaindre alors qu'il est en train de jouer un jeu bien. On met tellement plein la figure ce monsieur. Nous n'avons point été présentés. Il l'a tué. Bien sûr, eux, ils ont arrêté de faire les attaques. Ça a même pas marché ce que je voulais faire. Ça sent pas bon. Non, dégage. Tiens-toi. Reste loin de l'explosion, la déflagration. Elle va loin quand même, la déflagration en plus. Oh, c'est vous que je veux là. Vas-y, tape. Ah, c'est tout. Ah, cette déception. Remettez-en moi une couche, s'il vous plaît, parce que là, j'ai pas assez. Je suis assez loin, c'est bon. Ça, essayer de la voir comme ça, à la longue. On essaie d'être tranquille à ce niveau-là. J'ai l'intime de me donner un truc de puissance, mais là pour l'instant ça me sert pas à grand chose si je peux pas. Bon.
je me fais toucher encore une fois, je meurs. Truc qui sert à rien, quoi, allez. Oui. Bon, ensuite, il va lui tirer dessus. Avec un petit peu de chance. Tout ce qu'il faut pas faire pour être heureux dans la vie. Vous pouvez essayer de la tuer, la bestiole, s'il vous plaît. Merci. J'apprécierai. Yes, ils l'ont endormi, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Yes! Dans les dons, la pieuvre. Désolé, Olic. Bon courage. Bourrinage, mais non, on va pas aller au bourrinage, on va mourir. Ils font trop de dégâts. Vous obtenez une paire de grèves en métal. Et c'est tout? Mais... Mais moi, je veux du pognon et vivre riche qu'à la fin de mes jours. Oui. Oh. Qui vient de t'abonner. Merci beaucoup pour l'abonnement, Mark Gaver TV. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la bulle. Installe-toi confortablement, en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Salut, Lady. Comment vas-tu? En train de regarder dans quelle ville, quel live j'allais aller. Des lives Fortnite que les gens font au passage, je me suis abonné. Oh, c'est gentil, Eddie, merci. Bah, bienvenue, écoute, à toi aussi. Toc. Donc ça, c'est bon. Entre nous, je sens toujours pas, hein, mais... Il va falloir qu'on fasse une coupure de rediffusion aussi. Parce qu'on le vaut bien. À combien de niveau il était, l'ennemi qui... Ah, celui-là, il est cassé. Non, il est pas cassé, c'est bon. Lui, là. T'es niveau combien, toi? Il a vraiment pas l'air sympa celui-ci. Toc, on va sauvegarder. Il y a tous mes autres personnages qui ont plus de vie. Donc ce serait un petit peu totalement stupide d'aller combattre ces monstres sans redonner de la vie à nos camarades. Ce serait 40 celui-ci. Tu connais le jeu par cœur? Ouais, non, on y va pas. On n'est pas loin du niveau 56, mais quand on voit déjà qu'on galère contre un niveau 40, je crois que c'est pas la peine de chercher plus loin. Ah, le précédent était niveau 40, oui, je m'en souviens. Bon, on va aller du côté de... Je crois qu'il y a... Bon, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai vu un coffre, là? Mais oui. On sait jamais sur quoi on peut tomber, donc les coffres, c'est important. On a vu mieux. On va pas se mentir, on a vu mieux. Je sais même pas ce qu'il y a dans la grotte, là-bas. En fait, j'aimerais bien terminer l'histoire du jeu. Le jeu est sympa, ouais. Mais on a vu mieux, quand même, des fois. Ah, là il peut pas monter plus haut, tant pis. Oui. On sait qu'il est super fort lui ou pas? On va aller voir. Avant ça, il faudrait peut-être bien que je coupe la rediffusion. Donc on verra ça après. Du coup, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstejeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Même si après une révélation, la tension retombe. Le premier là, tu veux dire qu'il y a une révélation dans le premier qui fait que les choses sont moins intéressantes après? Je sais pas. Du coup, je reviens dans quelques secondes, à tout de suite. Pum 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 p